Ouais, ça va être la vidéo la plus naturelle qu'il y a pas. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pascal et j'espère que ça va bien de votre côté. Pour moi aujourd'hui c'est pitoyable. C'est tellement humide dehors que mes cheveux je peux rien faire avec. J'ai une infection de voix, alors je sonne comme un petit garçon qui est en train de muer. En plus, ben j'ai cassé un balai. C'est une excellente journée. Je sais que ça fait 3 semaines qu'on s'était pas jasé, mais aujourd'hui, je suis là. Je suis là! Me voilà! Pour me faire pardonner, j'ai décidé de vous filmer un petit vidéo pour que vous en appreniez un peu plus sur moi et ma voix de rockers alcoolique. Je vais faire le 36 questions challenge. En fait, c'est juste répondre à 36 questions bien simples pour que quelqu'un puisse me connaître un peu plus. Sur ça, c'est parti! Première question, c'est quel est ton nom? Ben, comme je dis à chaque début de vidéo, moi c'est Pascal! Quel est ton âge? J'ai 24 ans. 3 peurs. J'ai peur des araignées, mais j'essaie vraiment de combattre cette peur-là. J'ai peur qu'on m'oublie. La troisième peur serait que j'ai peur de... d'avoir beaucoup de regrets dans la vie. 3 choses que j'aime beaucoup. La nourriture. Ma famille slash mes amis. Puis j'adore le cinéma. Mes 4 turn-on, une belle dentition, une bonne posture, un excellent sens de l'humour, quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux non plus. Mes 4 turn-off, quelqu'un qui prend pas soin de lui, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui a une addiction à quelque chose, n'importe quelle addiction comme ça, moi c'est... No, move on! Si tu pues... désolé. Qui est mon meilleur ami? J'ai beaucoup de meilleurs amis. Puis je sais que... la personne que je vais choisir, il va être comme... Puis mes autres vont probablement être un peu plus déçus. Mais... je pense que mon meilleur ami numéro 1 est à égalité entre 2 personnes. C'est entre Martin Michel et Yannick. Peu importe si on se parle pas pour une longue ou courte durée de temps, aussitôt qu'on se revoit, c'est comme revenir en famille, rien n'a changé. Puis on peut parler de n'importe quoi. C'est comme mes frères, honnêtement. Je sais que pour eux autres, je suis pas leur sœur, mais à mes yeux, c'est ma famille. On dirait vraiment que j'allais pleurer, mais c'est ma voix qui casse. Mon orientation sexuelle. Je suis hétéro. Mais comme si ça dérangeait vraiment le monde. Parce que tout le secondaire, tout le monde pensait que j'étais lesbienne. Ma meilleure première date. C'est pas encore arrivé! Combien je mesure? Ça dépend dans la journée. Le matin, en me levant, je fais 7 pieds 6. Puis après une dure journée, je refoule à 7 pieds 5 et 3 quarts. De quoi je m'ennuie le plus? De mon grand-père Thériault. À quelle heure je suis née? Selon ma mère qui ne se rappelle pas vraiment à l'heure que je suis née, c'est le matin vers 6h. Ou vraiment de bonne heure, ça dépend, je sais même pas à quelle heure je suis née. Ma couleur préférée, ça dépend vraiment de mon humeur. Mais ça tourne toujours autour de 3 couleurs. Le rose, le bleu et le noir. Je sais que le noir, c'est pas une couleur, là. C'est une absence de couleur, mais elle existe dans les palettes de couleurs. Fait qu'on va y aller avec les 3 réponses. Est-ce que j'ai un crush? Oui. Mais je suis trop chicken pour dire c'est qui. Puis je suis trop chicken aussi pour avouer au gars c'est qui. Single for life! Ma phrase préférée. J'ai-tu une phrase préférée? Ben en fait, c'est plus une façon de vivre. Ma phrase, là, je l'ai comme adaptée un peu à mon mode de vie, mais ça va comme suit. Puis avec ma voix, l'anglais, top notch. I just don't want to look back one day and think, ooh, I could have hidden that. D'abord, avec ma voix, c'est l'enfer comme phrase. Mais pour ceux-là que l'anglais, ils ont pas trop compris. Et je veux pas avoir à regarder en arrière de moi dans mon passé et me dire j'aurais dû manger ça. Est-ce que j'utilise le sarcasme? Non! Qu'est-ce que j'écoute présentement? À part écouter le son de ma voix vraiment dégueulasse là, qui me fait penser un peu comme Mariana Madza.
Which qui est quand même un goal de Sonny Gourmet. Ben, j'écoute de la musique, plus country vu que c'est l'été. Puis si on parle de j'écoute à la télé, c'est plus des séries genre Brooklyn Nine-Nine. Quelle est la première chose que je remarque chez une nouvelle personne? Moi, je dirais que la première chose que je remarque chez quelqu'un de nouveau, c'est les dents. Parce que longtemps, j'ai détesté mon sourire. C'était comme ce que je détestais le plus chez moi. J'avais un peu les dents quirky comme ça. Pas de menton. J'avais un trou en avant. J'ai eu des appareils très très longtemps. Je remercie le portefeuille de mes parents pour m'avoir donné cette chance. Ma pointure de soulier. Chose du neuf! J'ai des raquettes! La couleur de mes yeux, vert! La couleur de mes cheveux. Right now, il y a des mèches dedans. Blond et platine. Mais la racine, c'est mes vrais cheveux pis c'est chaud-tête. Mon style de vêtements préféré, c'est vraiment quand quelqu'un prend juste soin de son apparence. Pas de jogging. Un peu, en mauvais français, du casual, mais un peu plus chic. Est-ce que j'ai déjà fait un prank call? Ouais. Le sens derrière mon nom de YouTuber. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube en 2008, c'était à l'époque que je jouais à RuneScape et que je ne savais pas écrire le mot lollipop. Enfin, sur RuneScape, en faisant mon nom d'utilisateur, j'ai écrit L-O-L-I-P-O-P. Puis ils m'ont suggéré le 608 parce qu'il fallait un chiffre à la fin du nom. Fait que ça fait lol, I pop. Fait que I guess, ça a juste resté parce que j'étais stupide et jeune. Mon film préféré, probablement tous les films de Disney, mais en particulier les princesses. Comment je me sens présentement? Sérieusement, présentement dans ma tête, ça va super bien, c'est relax. Dans mon corps, c'est relax. Fait qu'on va dire que je suis relax. Mon groupe préféré. On est deux en fait, que je suis pas capable de partir. Il s'agit de Bon Jovi et McFly. Quelqu'un que j'aime. Mes parents. Allô maman, allô papa, je vous aime. Es-tu en couple présentement? Non! Single for life! Ma relation avec mes parents. Je pense que c'est une bonne relation. Même si des fois ma mère est encore très maternelle. Je l'aime pareil. Et mon père. C'est mon papounet. Ma fête préférée. L'Halloween. À l'Halloween, ben, y a personne qui peut me juger quand je mange mes cochonneries. Combien de piercings et de tatous as-tu? J'ai 8 piercings. 7 sur les oreilles puis sur le nombril. 1. J'ai 3 tatous. Sur mon épaule et ma clavicule. Dans l'intérieur de mon bras et sur mes coudes du côté gauche. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo malgré ma voix. Je vous dis merci beaucoup de regarder ma chaîne, même si ça fait 3 semaines qu'on s'est pas parlé. Laissez un commentaire dans la barre en bas. Vous pouvez appuyer sur j'aime, je suis à peu près ici, et s'abonner qui est là un peu plus bas. Et sur ça, moi je vous dis merci, à la prochaine. Bye!